la première fois. Nous aimerions bien vous annoncer qu'il y a la traduction pour l'anglais, c'est la chaîne 1. Pour le français, c'est la chaîne 2. As we start day two, we allow me to share a few thoughts which I have taken from day one yesterday. It was quite an impactful day. We looked at innovation, the impact of accelerating innovation from lab to market. It was noted that in order for that acceleration to take place and for Africa to catch up, we need to look at financing and funding from a different angle. So different means are required. A specific draw was given to the capacity building. It was noted that we require specific capacity building means. So there needs to be a change in ways that in ways in which teachers and learners collaborate. So a new collaboration purpose needs to take place. Finally, it has been reiterated that Africa cannot afford to stay in the sidelines of the fourth industrial revolution. So, what do we say? Time is now. Time is now. So the day has dawned. We talked about the brilliant, amazing minds that we have on the continent. This morning, in this first session, what we are going to do is to shine the light on Africa's brightest scientists that we have. Without further ado, I would like to share the following NEF fellows who will be coming up front to share their works. That will be in the following order. Dr. Yves Mugabo, if you could kindly come up to the stage. And Dr. Vinay Kirti, if you could kindly come up to the stage. Professor Abdoulaye Banire, kindly come up to the stage. Professor Aminata Garba. Dr. Yabebal Fantae. Professor Peter Ngene. Once all of our NEF fellows are on the stage, I will request for each of the fellows to kindly share their works for not more than 5 minutes. Yes, so they are all there. So Dr. Yves Mugabo, you are first. Please go ahead. Thank you. Bonjour. Mon père m'a toujours dit, je cite, « Si tu n'as pas ce désir d'aider ton prochain, ne fais jamais de la recherche. Parce que le désir de guérir doit avoir préséance sur le désir de s'enrichir. » Après ma maîtrise, j'ai effectué un doctorat au Canada en 2010 en travaillant sur un thème qui, de façon surprenante, a été peu ou pas étudié. En effet, plusieurs études ont déjà démontré qu'un apport excessif de sucre et de gras était à l'origine de manifestations pathologiques de diabète de type 2. Mais il est quand même surprenant de voir que les mécanismes de détoxification de médicaments, par exemple, soient bien étudiés, peu d'informations soient disponibles à ce qui a trait au mécanisme de détoxification de sucre et de gras dans nos cellules. Et donc, cela m'a amené à développer un tout nouveau concept. Il s'agit de développer des mécanismes d'éliminer les excès de nutriments tels que le sucre et le gras de nos cellules. Durant mes études, durant mes travaux, j'ai utilisé les cellules productrices d'insuline, les cellules bêta-pancréatiques, mais aussi des tissus cibles de l'insuline, comme le foie, par exemple. Une fois, j'ai constaté que l'excès du glucose était éliminé via une toute nouvelle voie.
Et devinez quoi? Cette voie impliquait une toute nouvelle enzyme métabolique, jamais étudiée auparavant. Et en 2012, quand j'ai commencé à travailler dessus, quand j'ai eu mes premiers résultats, personne n'a voulu me croire. Car mes résultats, effectivement, ils parlaient donc de ils étaient complètement à l'opposé de tout ce qui avait été proposé depuis des années. Est-ce qu'il y a un secret? Peut-être. C'est que j'avais utilisé un système qui se rapprochait le plus à celui du corps humain. C'est surtout, j'ai utilisé des études in vitro, et la plupart des labos, effectivement, oublient de faire ce type d'appoint. Par la suite, vu que j'aime bien défier les dogmes et que je crois beaucoup à mes résultats, j'ai continué à travailler là-dessus. Et après plusieurs vérifications, il s'est avéré que j'ai découvert une toute nouvelle enzyme, une première depuis des années 60. Cette enzyme, appelée glycérol-3-phosphate-phosphatase, jusqu'alors méconnue chez les cellules des mammifères, elle jouerait un rôle clé dans l'élimination des effets toxiques du sucre. En effet, quand le glucose est anormalement élevé dans nos cellules, il se forme ce qu'on appelle un glycérol-3-phosphate, qui vient du sucre, et quand il est anormalement élevé, il peut causer des dégâts au tissu. En voici un exemple. Les triglycérides. Les triglycérides sont formés d'un glycérol-3-phosphate. Bon, c'est une vidéo, là, je vois qu'elle ne commence pas, c'est bizarre. Ah ben voilà. Les triglycérides sont formés de deux choses. En rouge, c'est le glycérol-3-phosphate qui vient du sucre, mais aussi trois acides gras. Ces triglycérides se trouvent, on les trouve souvent dans l'huile végétale, mais aussi dans la viande animale. Et il est stocké dans des cellules adipeuses qui grossissent au fur et à mesure qu'il y a trop de triglycérides. Et les triglycérides, on peut le trouver aussi dans la circulation sanguine. Et quand il y en a trop, ils peuvent aller se stocker donc dans la paroi des vaisseaux et former une plaque d'athérome, et ça peut bloquer les vaisseaux et causer une crise cardiaque ou des AVC, des strokes. Dans mes travaux, j'ai montré que mon enzyme, la glycérol-3-phosphate-phosphatase, était capable de dégrader une grande partie de ce glycérol-3-phosphate, de sorte que les cellules pancréatiques bêta, productrices d'insuline, soient protégées des effets toxiques du sucre. De plus, cette enzyme, en dégradant ce glycérol-3-phosphate, vous le voyez en rouge, elle préviendrait une formation, un stockage de gras, et elle pourrait réduire une production excessive de sucre dans le foie, un problème majeur chez les diabétiques. Donc, les résultats de cette étude nous offre une toute nouvelle cible thérapeutique pour traiter le diabète et l'obésité, ainsi que le syndrome métabolique. C'est pour cela qu'on s'efforce de développer des petites molécules capables d'activer cette enzyme, ce qui, en cas de succès, et après des tests convaincants chez des animaux, constituerait une toute nouvelle classe de traitement contre l'obésité et le diabète. Et je ne peux pas finir sans vous dire que je suis quand même fier, tout en restant modeste, d'être le premier Africain à découvrir ce type d'enzyme. Et je pense que... Et je suis persuadé qu'en promouvant la recherche fondamentale en Afrique,
les jeunes scientifiques africains seraient en mesure de faire de telles découvertes et de faire de l'Afrique un nouveau pivot de la science biomédicale. Je vous remercie. Thank you, Dr. Mogabo. Now I would like to call upon Dr. Vinay Kutzer. Can you hear me? Okay. Health inequality kills. And one way to think of health inequality is as a distribution problem. You have these clusters of expertise, but a wide distribution of need. Let's take malaria, for example. The laboratories that can accurately identify malaria are mostly located in urban areas, whereas the people at risk of contracting malaria are distributed much more widely. Poorer people are also less likely to access any kind of health care, even if they're located right next to it. So in order to reduce health inequality, you need to connect the expertise to the need. Now, antigen-based rapid diagnostic tests, or RDTs, have come a long way to connect the expertise to the need in an affordable way, but they still have their problems. For one, they continuously need to be imported and transported to where they are needed because they're consumable. And they don't always do so well in high humidity and high temperature conditions, which of course perfectly predicts most malaria endemic regions. So what if there was an intelligent device that could accurately detect malaria? A device that could connect the expertise to the need in an affordable way. We have just filed a provisional patent for a rapid, affordable, and non-invasive device that can accurately detect malaria. The device uses sensitive skin color measurements in the palm of the hand, coupled with artificial intelligence, to accurately predict whether someone has malaria or not in a few seconds. All you need to do is walk up to the person and touch their hand with the device, and it will tell you whether this person has malaria or not. We tested this device in a large group of Nigerian children, and the accuracy was between 73 and 77%. With a sensitivity of 94 to 95%, which means that we can be very confident that we're accurately identifying the individuals that have malaria, which is, of course, very important for such a deadly disease. We're currently busy testing this device in a second population, and we're asking any potential funders, industry partners, or collaborators that want to be part of the study to please contact us, because we want to expand the testing to as many populations as possible. The added benefit is just like human beings, artificial intelligence systems tend to increase in accuracy as they get more information to train on. So the more data we have to work with, the higher the accuracy will likely become. Now, the potential uses for such a device are vast. Because it's so easy to use, you can train almost anyone to use the device. And because there's no consumables, you don't continuously need to import and transport these consumables to where they are needed. Once you have the device, you can literally screen as many people as you want without any additional costs. So the true beauty about this device is that it can decentralize diagnostic expertise, taking the expertise to the doorsteps of the people that need it without putting a substantial cost on the health system. You can screen an entire population, identifying both symptomatic and non-symptomatic individuals, thereby reducing the reservoir. And the added benefit is that you can connect experts to a network of up-to-date malaria infection data, enabling them to respond quicker to potential outbreaks and possible re-emergence. So the take-home message is,
We developed a rapid, affordable, and non-invasive device that can accurately detect malaria. A device that reduces health inequality by connecting the expertise to the need in an affordable way, and taking us one step closer to a world free of malaria. Thank you very much, Dr. Vinay Kirti. Up next is Professor Abdoulaye Banire. Thank you. Bonjour. J'aimerais commencer cette présentation en vous parlant d'une scientifique exceptionnelle que j'ai rencontrée ça fait très longtemps dans une salle de classe. Il est très difficile pour les femmes en sciences de développer une carrière tout en ayant très peu de soutien. J'ai eu la chance de le vivre à côté d'elle. Elle a réalisé une thèse de doctorat tout en élevant deux enfants. Je suis ici particulièrement grâce à elle et je crois que c'est elle qui dessert cette place-ci. Merci, Rama. J'ai eu la chance, l'opportunité, à l'âge de 26 ans, de devenir professeur à l'Université du Québec à Montréal. Je dirigeais le laboratoire de bioinformatique, et là, avec mes étudiants, nous nous intéressions à étudier l'évolution et à reconstruire les génomes ancestraux en utilisant des algorithmes d'apprentissage machine. Pourquoi ? Parce que la reconstruction de ces génomes nous permettait de mieux comprendre l'évolution des gènes au niveau des humains, mais aussi de mieux comprendre ces mécanismes-là pour les transférer dans des systèmes d'apprentissage à d'autres fins. Puis, à un moment donné, il y a eu un Big Bang dans ma vie qui est venu détruire ma vie paléontologique. Ce Big Bang, c'est le séquençage du génome à un coût qui devient de plus en plus comparable au coût d'un téléphone intelligent. Ainsi, au lieu de continuer à l'ancienne à courir derrière des données pour modéliser des systèmes complexes, nous nous retrouvions à acquérir d'énormes quantités de données avec des collaborations qui nous permettaient de résoudre maintenant des problèmes actuels. Ainsi, avec des agronomes et des gens en génomique, nous avons commencé à étudier les mécanismes qui permettent de comprendre pourquoi certains types de céréales ont un effet de résistance et d'adaptation dans des régions qui sont arides, telles que le Canada avec le froid, ou dans des régions qui sont où il y a de la sécheresse. Notre rôle s'étendait ainsi à concevoir de plus en plus des algorithmes sophistiqués. Pourquoi ? Parce que si nous voulons capturer l'expertise interdisciplinaire en sciences de la vie, il est intéressant d'être capable de modéliser ces différents concepts-là et de les inclure dans un système d'apprentissage qui serait capable de reproduire fidèlement ces connaissances-là et de contribuer à des phénomènes tels que le monitoring et la surveillance, par exemple, des tendances d'évolution, de mutation des pathogènes qui ont un impact dans les maladies. Notre capacité à séquencer a ouvert ce qu'on appelle la ruée vers le séquençage du génome. Qu'est-ce qui arrive ? Partout dans le monde, maintenant, on décode le génome humain. Ce qui fait qu'il y a une quantité énorme de données génomiques qui se retrouvent dans des banques de données publiques et privées. Le problème, c'est que les scientifiques de la vie qui génèrent ces données-là, actuellement, se retrouvent face à un autre problème. Ce second problème, c'est lequel ? Ils passent une partie de leur temps à construire des algorithmes d'analyse pour seulement comprendre leurs données, puis à passer un autre temps à essayer d'interpréter ces données-là. Au lieu que les données ne travaillent pour les scientifiques de la vie, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est eux qui travaillent pour les données. Il est important, en réalité, que ce paradigme-là change avec l'utilisation efficace de la bioinformatique et de l'apprentissage machine pour pouvoir permettre aux biologistes de se consacrer au rôle de leur carrière, c'est-à-dire répondre à des questions biologiques sans tenir compte des technicalités d'analyse et de conception liées à la bioinformatique et à l'apprentissage machine.
Cela est tout à fait important si nous voulons aller dans la direction de la précision, précision qui est importante lorsqu'on parle de personnalisation de la santé, où il est nécessaire d'intégrer des données de type génomique avec des données cliniques et des données de notre environnement réel. Cette intégration-là nécessite en réalité ces technologies sophistiquées qui intègrent l'intelligence artificielle, la bioinformatique et des algorithmes de traitement automatique de la langue. Donc, avec des amis, nous avons décidé d'adresser ce problème-là en créant un système intelligent qui est capable de capturer l'expertise dans les domaines bioinformatiques et de reproduire ça directement avec l'extraction de connaissances dans les données pour rendre accessible aux biologistes des plateformes d'analyse intégrées. Cette plateforme permet de développer ce que j'appelle une accélération dans la direction de la précision en génomique. Ainsi, cette précision-là ouvre une nouvelle ère que l'Afrique, ici, ne doit pas manquer. C'est l'ère de la révolution génomique. Cette révolution génomique nous permettra, si nous maîtrisons nos données, ici, de pouvoir construire des systèmes adaptés, accompagner nos chercheurs pour personnaliser les soins des patients, mais aussi d'accompagner les agriculteurs pour mieux comprendre la santé de leur sol, la composition microbienne, qui impacte en partie la productivité et d'augmenter la qualité d'un nutriment. Cela est applicable aussi pour suivre et prédire les épidémies comme celles qu'on a vécues il n'y a pas longtemps en Afrique de l'Ouest. Cependant, pour arriver à cela, il est important pour nous, au niveau de l'Afrique, de développer une expertise unique en bioinformatique et intelligence artificielle qui permettrait de s'orienter spécifiquement dans l'analyse des données des sciences de la vie. Il faudrait ainsi augmenter plusieurs initiatives du type H3A Africa et H3A Bionet qui permettraient de former des milliers d'Africains dans les sciences de la vie et de pouvoir amener la précision en génomique. Je crois que cela est très, très important si nous voulons profiter de l'opportunité économique créée par les données génomiques. Je vous remercie. Merci, professeur Abdoulaye Banir. Up next is Professor Aminata Garba. Thank you. Au-delà de la connectivité, ici nous utilisons tous nos cellulaires, nos laptops et nous voulons communiquer d'un point A à un point B. Ce que nous essayons de faire, c'est d'envoyer une information et ce qui nous intéresse, c'est que celui à qui on envoie l'information reçoit cette information d'une façon très correcte. On ne veut pas que l'information soit déformée et aussi avec les nouvelles applications, nous voulons avoir un taux de transmission qui est très élevé. Dans ma recherche, je suis intéressée à l'intersection de la technologie des informations, des applications de l'information et des politiques de l'information. Dans la théorie, je regarde les taux de transmission de données. Comment accroître les transmissions de données dans un système de télécommunication, comme un système mobile, par exemple, nous utilisons tous les cellulaires ou Internet. Initialement, ce qui existe est très bon, mais ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des nouvelles applications comme l'Internet des choses, que les systèmes continuent à fonctionner et qu'on puisse toujours avoir des taux encore plus élevés. Donc, nous avons proposé des nouvelles techniques d'encodage et de décodage en utilisant une fréquence de sélection de données qui est plus rapide que le taux qui a été proposé par le théorème de Nyquist, par exemple, mais en faisant en sorte de diminuer les erreurs dans les transmissions. Si nous regardons ici,
Ce qu'on essaye de faire, la première chose, c'est de modéliser le réseau de transmission de données et de proposer un réseau, un modèle mathématique. Ceci est primordial parce que les réseaux de transmission de données sont très complexes. En réalité, c'est des réseaux de réseaux. Donc, nous voulons avoir un modèle qui est assez simple qu'on puisse implémenter dans un système informatique. Alors, ici, ce qu'on a, c'est l'information qu'on transmet et c'est l'information ici qui est reçu, qui pourrait être reçu par le receveur. Nous voyons bien que l'information transmise n'est pas la même ici parce que d'autres personnes transmettent en même temps que nous et aussi il y a beaucoup de bruit dans le système. Par exemple, dans les réseaux sans fil, si on transmet, il y a l'environnement. D'autres personnes parlent, il y a le bruit, il y a la musique et tout ça influence les données qu'on propose, qu'on est en train de transmettre. L'idée ici, c'est maintenant faire en sorte que si soit égal à ce qu'on a transmis. Alors, ce que nous avons fait, c'est après avoir fait le modèle mathématique, c'est proposer des modèles d'optimisation non convexes. Et ces modèles nous permettent d'obtenir un optimum global. Et c'est ici une optimisation non convexe parce qu'on voit qu'on a plusieurs optimums globaux, mais ce qui nous intéresse, c'est l'optimum global. Plusieurs optimums locaux, mais on est intéressé par l'optimal global. Et lorsqu'on a cet optimal global, on utilise les paramètres pour pouvoir arriver à avoir une interférence qui est réduite. On veut réduire l'interférence des autres usagers, on veut réduire le bruit dans le système. Et en faisant cela, nous arrivons à ce moment à avoir une transmission qui est plus rapide et qui est plus précise. Alors, cette théorie serait bien si on arrive à l'appliquer. Et ce qui m'intéresse comme application, par exemple, c'est l'irrigation intelligente, les systèmes d'irrigation intelligents dans les zones rurales en Afrique. En Afrique, l'agriculture reste encore l'activité économique principale. Et pour cela, ce que nous proposons, c'est d'utiliser un réseau de senseurs qui est distribué, les senseurs distribués au niveau des farms. Et en ce moment-là, on pourra collecter les données au niveau de ces champs et en utilisant des transmissions de courte distance et qui sont à plus précise. Ces données sont envoyées à un microcontrôleur et des décisions sont prises. Il y a des systèmes d'irrigation intelligents. La différence ici, c'est que nous voulons utiliser des choses qui sont locaux, parce que dans les zones rurales, nous n'avons pas nécessairement un accès à Internet, donc nous voulons faire une optimisation qui est au niveau local. On n'a pas utilisé le cloud pour le faire et avoir une transmission qui est précise. Une autre application qui m'intéresse, c'est pouvoir utiliser l'Internet des choses pour distribuer l'eau dans les zones arides en Afrique. Lorsqu'on regarde ici, on voit que en Afrique, il y a beaucoup de zones semi-aride. En réalité, l'eau existe, mais l'eau est en profondeur et la population n'a pas nécessairement accès à cette eau. Alors, dans les zones où il n'y a pas assez d'eau, l'utilisation de l'eau peut être source de conflit parce qu'on n'en a pas assez. Alors, on propose d'utiliser l'Internet des choses pour pouvoir contrôler l'utilisation de l'eau en fonction de la demande et faire en sorte qu'il y ait une utilisation qui est plus efficace de l'eau, mais aussi qu'il y ait en sorte qu'il y ait une justice, une certaine équité. Et dans ce cas, il n'y aura pas de conflit dans l'utilisation de l'eau. Et la dernière chose qui m'intéresse, c'est les politiques. On peut bien avoir la technologie et les applications qui sont là tant que la politique n'est pas prise en compte, l'innovation ne va pas s'étendre dans les zones rurales. Nous avons besoin de politiques qui sont prises à temps, qui sont efficaces et qui vont promouvoir des applications locales qui sont comprises par les gens locaux et qui sont intéressées par les gens locaux.
penser au-delà de la connectivité, c'est regarder pas seulement les technologies de l'information, mais aussi les applications qui sont importantes et aussi les politiques de télécommunication. Merci. Merci beaucoup, professeur Aminata Garba. Up next is Dr. Yabebal Fantaye. Thank you. So, in a typical day in a school, the bell rang, and the students just ran to the field, and people were playing. And my friends and I just dug three holes in the ground, and we start playing B, which is a marble game. And there were a few others who were betting on who's winning. And the game continued, but the conversation turned about a boy who were rumored that he's studying all the time. And at that time, I was like, why is he studying? Why should I study when I can play? Because I know that one, I can really feel it. And I couldn't understand why should I study. Because gambling was something that I can feel. And also just playing street games was something that excites me. Of course, at that time, I couldn't answer that question. And my parents, of course, didn't want that I'm very much obsessed about gambling. So they tried to give me their point of views about, you know, why I should study. But it took 5 years, and fortunately or unfortunately, that just before finishing high school, I had a nightmare, and I wanted something to keep me awake in that night because my friends are sleeping, they cannot play. And I thought, why shouldn't I? I mean, I just started reading, and I realized that one will keep me awake. So I understood that you could study just, you know, to escape a nightmare. So that led me to university and, why I'm here today. But there was one fundamental thing that I was always coming back to these kind of stories is that sometimes the point of views that we have available, the answers and solutions available to us may not be, just even to the innocent questions like that, may not be suitable for our children. So what I'm going to argue is that actually, instead of trying to give the solutions available to us, instead, we should be focused more about the method, the strategies that we get to those answers. So in arguing that, I'm going to give two other notable events in my life that actually influenced me very deeply. So I also, after 2 decades of realization, actually, what I was doing when I was gambling was statistics, which I'm doing now, and aerodynamics, physics, law, and the rules that were set in the game, and other things. So my parents, had they known, actually, they could have just easily turned me in that direction. So the other event that really influenced my career was this question, how old is the world? I mean, at that time, world universe was the same for me. And the two available solutions and point of views were, my parents were religious, Christian, there is a Bible version of it, and then there is also the school, which is carbon dating. And one is very simple, I don't feel it, and the other one is complicated. Neither of them were really answering the kind of point of view I want to get. So my nightmare, the university. At the university, I had an opportunity to observe the moon and the star through my own eyes, and that was really a kind of aha moment. And I say, I knew that the moon is there and Jupiter is there, but I never thought they are exactly as what they say in the books and what I saw in the pictures. So that kind of belief then translated into, the stars, that I was told that the lights come from, millions and billions of light years. So if that is the case, then the world, the universe must be older, right? So that was really the kind of the spark that I got into astronomy and then followed that dream and got into cosmology. So I'm a cosmologist and I study this beautiful map. And this is the cosmic microwave background map from the Planck satellite, which is a European Space Agency satellite. I'm a part of it. This gave us most of the information we know about the universe, its birth, and its evolution from the beginning to now. So, but the thing is that even if we have a lot of understanding about the beginning and the evolution of the universe, we have fundamental problems like dark matter, dark energy, which is 95% of the cosmos. And we need to look into this map if there is any hint that tells us towards that direction. And I work
for anomalies, trying to see like if our model is really describing exactly the data that we are looking. So, and then the other very fundamental, very dear to me, is another question: is that, you know, why Africa is the way it is? It's like it has been always in me, and there has been a lot of solutions, you know, available to me, it's like from climate kind of point of view and others, but none of them are actually getting into me. And so now, having passed through and nurtured all the techniques, you know, the statistical tools and everything else that I have acquired, I can now look at exactly the same I was doing in the cosmic microwave background. I can look at now satellite images of the Earth to figure out that problem as well. So that's what I am doing also as my research. So what I want to say just is a point is that I strongly believe, and that's why I carry it with me in a class and in outreach programs that I'm participating, is that it is better and it's wise to actually focus on teaching the strategy instead of the answer. And the best strategy we have that we have tested in time is that the scientific method, so we should be focusing on that. Thank you. Thank you very much, Dr. Yebabal Fantaye. Our final scientist during the session is Professor Peter Ngene. Thank you. Well, in the last 100 years, we have witnessed an unprecedented economic development, which has changed dramatically the way we live our lives today. And I can tell you that this is actually due to our ability to create materials that enable us to have application that makes our life easy and then enjoyable, just like the clothes that we are all wearing that makes us look beautiful this morning. And that is why I'm very fascinated about nanoscience and nanotechnology, because it gives us the tool to fundamentally change the property of material to create functionality that can be used to solve some of the most challenging problems that our world faces today. For example, the energy transition. People talk about energy crisis, but there's no energy crisis. I think it's about material crisis. Because of the global warming, we are transitioning from fossil fuels to renewable energy sources. The problem with these energy sources is that they are intermittent, so we need energy storage. And our approach to this, based on the work I've been doing, is we can achieve this in different ways. So we can use the excess energy, you know, the electricity, you know, from the solar panel or from the wind, you know, to create hydrogen. Why hydrogen? If you want to know, you ask me later. And then with this hydrogen, we can drive car. So there are hydrogen fuel cell vehicles available in major cities in the world, especially California. And then we can also use this hydrogen, combine it with the CO2, which is the major problem of the world right now, to create even new materials. And we can even combine this hydrogen with nitrogen, which is available in the air, to make ammonia, which you can use to make fertilizer. Another way is also to just use battery, you know, to just store this excess energy. But for this, we need, you know, high energy density battery. Why are this material not there? It's because we need material actually to do this. And this is what we call functional materials to do this. And so my work has been focused on this to use this kind of materials. And the material I work on is material called metal hydride, because this material actually is what we call multifunctional material that can enable you to achieve a lot of activities. So for example, you see this. And of course, you can say, why should just one class of material be able to do this? And the beauty is that it lies in our ability to fundamentally change this property of this material to achieve the application that we're interested in. And I'm going to give you just a few examples using the work we are doing. One of the challenges of, you know, hydrogen is the fact that, you know, it's volatile, it's dangerous, so we need to find a way to store it safely. And in the last 20 years, the idea was to use powdered material. And one of these is metal hydride. I don't want to go into detail. And this material contains a lot of hydrogen, so when you heat it up, it gives away hydrogen, so you can use that in combination with fuel cell to drive your car.
However, you need to go to about 350 or 500 degrees centigrade to get this hydrogen. Now, we've been able to actually, just by nanostructuring this material, we're able to reduce down this temperature so that you see what you see on the left is about discharge, and you can get this hydrogen at low temperature. Now, what about charging? If you just leave the material that way, you cannot charge it. However, when you nanostructure it, you can see on the right that you can increase the amount of hydrogen that you can charge in your car, you know, within a short time. Another example I want to give is battery. Now, this is the same material, you know, that we use for this hydrogen storage, and it's just a serendipity discovery. We find out that by manipulating this material, we're able to, you know, make the lithium to be very mobile, so which means that we can use it, you know, to create what we call solid-state electrolyte, replacing the current electrolyte in the battery, which causes actually combustion and flammability in the current battery. So we have been able to realize the first all-solid-state, you know, rechargeable battery based on this solid-state electrolyte, just by nanostructuring. Another one I want to give is about the fact that nanoscience or nanotechnology gives you ability to even see unexpected things. So what you see here is just, you know, material, this same metal hydride. And if you at the top, you see that they all have the same color. Okay. And now when you expose it to hydrogen, what you see is that there's a color change. And this color change depends on the amount of hydrogen that you have there. What happens with this? We're able to create, you know, the first, you know, sensor that can actually detect hydrogen just by color change. And what you see here is there's no image processing here. This is just the color of this material as you expose it to hydrogen. And we know that this change in the optical property of the material is dependent on the thickness of this material. So we can actually manipulate this, and we can actually create different sensors that can actually give you different colors. So tell me the color you want, and I'll create a sensor that's going to make you that will give you that color. And now, one thing that surprised us most is also that my colleague actually told me that actually, when we breathe, so our breath contains a lot of gas, and one of them is hydrogen. And this actually can be used to actually detect what we call lactose intolerance, because those who have that actually produces more hydrogen. And with this, we have created now a simple device that just by breathing, you can actually know whether you have lactose intolerance or not. This is the beauty of, you know, nanomaterial, nanotechnology, and nanoscience. And bringing that back to Africa, I just want to end with this slide. We know that what this show is that both graphs show that actually the economic development, GDP per growth, the growth in GDP per capita depends on energy use. Now, we are in Africa. It means that you can see that in this graph, most of African countries are not even there because we are just below. If we need to develop, you know, then that means that we need more energy. And because we are signatory to the Paris Accord, we cannot get this energy. We must get it in a sustainable way. And therefore, we can say, well, there's no need to talk about this because we have problem in the health sector. We have poverty to take care of. But I must tell you that, you know, the prominence is not as good as not equal to importance. So we should also invest in this kind of material because there lies the ability to actually create, you know, material that can, you know, give us this application, especially in energy storage, that we will be able to have an Africa where we can just have solar panels and they will have battery by our side and we can power all the villages. And then we go from the dark continent to the bright continent. Thank you. Thank you very much, Professor Peter Ngene. So now you have heard of Africa's brightest minds. You have seen them. You've heard what they do. So we are coming to the end of the first session. Before we get into the next session, can I kindly request you to all stay in the room as we prepare to receive our guest of honor, His Excellency Macky Sall, the President of the Republic of Senegal. So we will have a break. You can use the phone and network and discuss among each other what you have heard, what you have seen today. But please do stay in the room as we welcome our guest of honor. Thank you very much.